Maurice Vena, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Juvenel. L'équipe centrafricaine est en pole position pour la qualification en Coupe du Monde pour la phase retour qui aura lieu fin juin, début juillet à Dakar. Alors, quelle est l'analyse que vous faites de cette phase aller? Mais la phase aller, ça nous a permis de voir où on avait quelques défauts et quelque chose à rectifier. On est content de la prestation des joueurs parce qu'on ne savait pas trop comment se situer. Mais là maintenant, on a prouvé qu'on était là dans tous les matchs. On était en possibilité de gagner les deux matchs qu'on a perdus. Donc en corrigeant quelques détails, dont les lancers francs, on va se remettre dans des positions où on pourra faire le maximum pour se qualifier à Dakar pour le deuxième tour. Et une solution pour le poste d'intérieur qui a toujours posé problème? Oui, c'est vrai qu'on a essayé de trouver des solutions dans le jeu, dans la façon de jouer, mais on a également la volonté de naturaliser un big man de plus pour pouvoir donner un soutien. Et on travaille également sur une troisième option, c'est-à-dire essayer de trouver aussi un ou deux autres joueurs supplémentaires pour compléter la raquette. Ça veut dire que l'équipe sera renforcée. Ce problème de doublure qui pose souvent des problèmes à chaque fin de rencontre sera résolu. Oui, c'est clair qu'on a eu des problèmes de doublure, notamment le match contre le Sénégal. Beaucoup de gens nous ont reproché pourquoi on n'a pas fait tourner un peu plus le banc. La difficulté, je pense qu'il y a un niveau de compétition. Sénégal, deuxième meilleure équipe d'Afrique, il y a certains joueurs qui ne pouvaient pas rester longtemps sur le terrain, sinon tous les faiblesses ou les défauts allaient être sortis au grand jour. Donc à nous maintenant augmenter cette rotation pour permettre d'avoir nos joueurs frais lors du quatrième carton et puis se mettre dans les positions de gagner contre des grosses équipes. Et le championnat qui n'a pas encore démarré, on espère que d'ici là ça va démarrer, mais maintenant je veux parler donc des locaux. Est-ce qu'il y aura d'autres qui pourront intégrer l'équipe au cas où le championnat aurait démarré entre temps? Non, les joueurs locaux vont toujours être là. On a un œil sur eux assez facilement. Le coach lui-même opérationnel et même son adjoint sont sur le terrain. Mais les locaux, on connaît à peu près la base. On a une base de 10 joueurs locaux qui ont le potentiel de rentrer en équipe nationale. On intègre bien sûr des jeunes à chaque fois. Là, cette année, c'est Morel qui a fait tout le parcours. On espère qu'un ou deux autres jeunes vont pouvoir faire la même chose. Et puis, on verra bien. C'est pas facile parce qu'il se peut qu'on ne prenne pas un joueur, pas parce qu'il n'est pas bon, c'est juste que sur son poste, on a plein de monde. Les gens qui ont la chance de passer plus facilement, ce sont les pivots, parce que les autres postes, on a vraiment, vraiment beaucoup de joueurs. Aujourd'hui, l'équipe centrafricaine, selon vous, peut toujours se qualifier ou bien elle va jouer peut-être l'outsider? Non, on reste les outsiders, mais maintenant ça va être compliqué parce que le Sénégal, après ce qu'on lui a fait, les problèmes qu'on lui a causés, c'est clair que dans leur tête, ils ont un match qu'ils attendent à Dakar, c'est contre nous. Je pense qu'ils savent très bien que s'ils nous battent le premier match, c'est fini. Les deux autres matchs, là, ça va être une formalité pour eux. Le Sénégal a clairement souligné notre match comme rendez-vous pour eux. Ça peut faire peur, mais en même temps, c'est une marque de respect. Ça prouve qu'on a progressé depuis un an, depuis le 19 mars dernier avec la RDC. Et je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on est en train de progresser. Alors justement, parlons de ce progrès avant de finir la partie française. De mars 2016 à mars 2018, qu'est-ce qui a changé? Je pense que c'est déjà dans l'approche, je pense qu'aussi dans le respect et puis dans la volonté d'être en équipe nationale. On s'est battu pour avoir un groupe qui vit bien et qui a envie de faire des choses ensemble. Aujourd'hui, vous voyez le capitaine Max, même blessé, revient à Bangui pour essayer de trouver une solution de soins. Ça vous montre à tout prix quel état d'esprit il y a dans le groupe. C'est à cause de ça que nous-mêmes on se bat, payé ou pas payé, argent par argent, on ne se focalise pas dessus, on se focalise que sur une chose. Comment faire pour remettre le basket centrafricain sur les bons rails? Mais on reste, comme on appelle ça, humble par rapport à ça et on demanderait juste aux gens de ne pas griller les étapes parce que ça prend du temps. On a pris du temps pour détruire les fondations qu'on avait. Maintenant, ça prendra du temps aussi pour les reconstruire. Monsieur Maurice Vena, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, si je vais là.